All power to the people. 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 Est un collectif bruxellois, comme son nom l'indique, un collectif antiraciste, décolonial. On combat de nombreuses injustices, parmi lesquelles la violence policière, le racisme d'État, l'islamophobie et encore beaucoup d'autres choses, mais je ne vais pas faire très long sur Bruxelles Panthère. La conférence d'aujourd'hui est organisée dans le cadre du Genocide Memorial Day, donc le jour de la mémoire des génocides. C'est une initiative qui a été lancée par une grande association islamique londonienne il y a 10 ans, et pour notre part ici à Bruxelles. Donc nous, au Bruxelles Panthère, on l'organise depuis pour la 4e fois. Je vais vous dire quelques mots de ce GMD. Il s'agit en fait d'une... Vous l'avez sûrement déjà lu hein, sur la présentation de l'événement, mais il s'agit de rejeter l'idée qu'il y a des victimes plus importantes que d'autres, que tous les génocides sont importants. Et pour faire court, le but c'est donc de garder, de faire en sorte qu'en plus du génocide, il n'y ait pas un mémoire aussi, c'est-à-dire un effacement de la mémoire de ces génocides, dans le but évidemment de mieux les connaître et de les combattre, et aussi de repérer ceux qui peut-être sont naissants aujourd'hui et de les prévenir en les évitant. Donc ça c'est le but du GMD. Dit très rapidement. Les orateurs, je vais présenter les orateurs de ce soir. Alors il y a Martin Van der Elst, il est chercheur et anthropologue de l'UCL. Véronique Lett est sociologue et chercheuse à l'ULB. Et Sandhu Ira est coordinateur du réseau décolonial international, le DIN, dont vous êtes partenairement. Et il est directeur, comme vous voyez, de l'International Institute for Scientific Research à Amsterdam. Nous aurons aussi Thomas. Thomas Mouteba Ntumboué. Ok, il est historien de l'art et professeur d'histoire de l'art à la Fond. Voilà, on va commencer par Martin, qui va nous parler des aspects historiques de la restitution. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Et donc, je vais revenir en fait sur les débats en cours sur la restitution, en essayant d'inscrire dans une perspective autour de la question de la réparation. Et donc je suis assez heureux qu'on puisse revenir ensemble ce soir sur ces débats autour des artefacts spoliés durant la période coloniale, dans le cadre des enjeux de réparation, à partir de cette question proposée par Bruxelles Panthers: qu'est-ce que la Belgique doit au Congo? Cet espace qui nous est offert dans le cadre du Genocide Memorial Day est important, car il va nous permettre, me semble-t-il, de dépasser le cadre dans lequel les débats autour de la restitution se posent aujourd'hui en Belgique. En effet, pour l'instant, vous m'entendez? Parce que je ne sais pas si vous m'entendez jusqu'en haut. Ok, super, merci. En effet, pour l'instant, ces enjeux sont majoritairement posés dans le cadre d'un débat autour de l'accès à la culture. On parle alors le plus souvent de 85 à 90% du patrimoine africain qui se trouverait en dehors du continent, et on plaide ainsi pour une plus juste répartition des richesses économiques, naturelles et culturelles. Les objets de la restitution sont dès lors requalifiés en tant que patrimoine de l'humanité. Ce discours patrimonial a pour conséquence principale d'occulter les conditions d'acquisition de ces artefacts et donc d'invisibiliser les crimes coloniaux. Sous la rhétorique du partage des œuvres, de l'accès aux collections et de la digitalisation des archives, se déploie ce qu'avec Véronique Klett-Gakouba nous avons appelé une politique de la non-restitution, et dont l'objectif est, me semble-t-il, de maintenir l'hégémonie post-coloniale sur le capital en conservant les droits de propriété en Occident. Plus fondamentalement encore, cette politique de la non-restitution vise, comme l'explique très clairement Sarah Van Burden,
à retraduire les revendications de réparation et d'élaboration des torts subis par la colonisation en termes de développement et de coopération, et donc à désarticuler les questions de restitution des enjeux de réparation. Et en effet, au croisement de la remise du rapport Sarre-Savoie sur la restitution du patrimoine africain et de la réouverture du musée de Tervuren, les enjeux posés autour de la restitution des biens mal acquis durant la colonisation, ainsi que des restes de cadavres humains homicidés présents dans les collections scientifiques, semblent se reposer à nouveau frais. En réalité, la question de la restitution est aussi vieille que la colonisation elle-même. En effet, l'historien, auteur et professeur à l'université Lubumbashi, Donatien Dibouet, rappelait récemment que les enjeux de restitution se sont posés dès le moment où les agents coloniaux belges ont commencé à arracher ces artefacts à l'Afrique. C'est le cas, entre autres, du fétiche protecteur Ngisi Kondi, volé au roi de Boma par Alexandre Delcommune fin du XIXe siècle, lors d'une expédition de conquête menée pour le compte de la Compagnie du Congo pour le commerce et l'industrie, et aujourd'hui réclamé par Bakou Kapita Alphonse, un de ses héritiers. Ce ne sont pas des œuvres d'art ou des biens culturels qui sont ainsi arrachés aux communautés congolaises lors des guerres de conquête coloniale. Ce sont des médicaments, ce sont des médiateurs, des fétiches protecteurs. La conquête coloniale n'est pas seulement une prise de terre, elle est aussi une capture spirituelle, une prise de crâne et d'esprit, une prise d'ancêtre. Les résistances à ces guerres anthropologiques n'ont jamais cessé tout au long de la colonisation. L'histoire qui commence à être connue de Lusinga, c'est-à-dire que donc, les hommes de Storms incendient des villages fin du XIXe siècle, exterminent certaines personnes, en réduisent d'autres à l'esclavage et au travail forcé, ils détruisent des habitations et des cultures. Storm se fait rapporter le crâne de Lusinga ainsi que deux statuettes représentant les ancêtres de Lusinga comme trophée de guerre. Cette histoire commence à être connue. Mais quelques années plus tard, des survivants des villages de Lusinga incendiés entrent en résistance et parviennent à retourner l'alliance que Storm avait passée avec un autre chef de la région suite au meurtre de Lusinga. Fin mars 1885, commencent de nouvelles guerres pour le maintien de l'hégémonie belge sur le Congo. Des assaillants finiront par parvenir à mettre le feu au fort que Storms avait construit, Ampala. Celui qui se rêvait déjà empereur du Tanganyika doit fuir le Congo et revenir en Belgique. Je vous invite à relire les travaux de Michel Bouffetu à ce sujet. Placide Mumbele, professeur à l'université de Kinshasa, rappelait à l'occasion d'un retour sur deux journées d'atelier ayant eu lieu à Kinshasa, organisé par le centre d'art Waza de Lubumbashi, atelier intitulé « Perspective congolaise sur la restitution des biens culturels et sur la transformation des pratiques muséales en Afrique », que les enjeux de restitution au Congo se sont posés dès l'époque coloniale. En 1930, une première demande de restitution du patrimoine a été faite par un musée de Léopoldville à Tervuren. Demande qui a été officiellement refusée, Tervuren ayant à l'époque envoyé quelques moulages d'objets, aujourd'hui on parlera plus facilement de digitalisation. En effet, dans la période de négociation, ces exigences de restitution se sont prolongées durant la période de décolonisation. En effet, dans la période de négociation de l'indépendance, Lumumba et Kazavubu avaient officiellement demandé la restitution du patrimoine congolais présent en Belgique. C'est suite à cette exigence, via l'intervention d'un juriste à la demande du directeur du musée de Tervuren de l'époque, Lucien Cahen, que l'argument de l'inaliénabilité des œuvres appartenant à l'État a été formulé pour la première fois dans le contexte belge, c'est-à-dire en posant les bases d'une politique de la non-restitution. La demande est ensuite arrivée sur la table de la table ronde économique en 1960. Elle n'y a cependant pas été traitée, elle a été renvoyée plus tard dans une commission ad hoc. Jusqu'à aujourd'hui, cette commission n'a jamais siégé. Cela ressemble fort au type de dispositif d'encommissionnement mis en place par le ministère des Affaires scientifiques pour la question de la restitution des restes humains aujourd'hui. En 1973, Mobutu formule une nouvelle demande de restitution, demande qu'il fait également à l'ONU. La Belgique s'opposera à nouveau à cette demande et va tout faire sous l'action de l'ancien directeur du musée de Tervuren de l'époque pour traduire les exigences de restitution dans le langage de la coopération et du transfert d'œuvres. C'est une façon de désactiver ces exigences au profit d'une politique de coopération,
dont l'objectif est le maintien de l'hégémonie postcoloniale de la Belgique sur le Congo et ses institutions muséales. Une grande partie des œuvres qui seront alors prêtées au Congo provenaient de collections qui se trouvaient déjà au Congo et au Rwanda et qui avaient été rapatriées après l'indépendance. La Belgique n'a jamais transféré les titres de propriétaire, ce qui fait que dans les suites des troubles causés par la chute de Mobutu, lorsque les œuvres, une partie de celles-ci, se sont retrouvées sur les marchés de l'art à Bruxelles, à Londres ou à Paris, le musée de Tervuren a pu en réclamer la propriété. Durant les années 70 et 80, ces exigences de restitution ont continué à se poser sur le plan international, y compris au niveau de l'UNESCO. Il y eut également la première résolution du gouvernement nigérian via l'ICOM en 1968, le manifeste culturel panafricain d'Alger de 1969, la conférence panafricaine d'Abuja de 1993, plus tard, les différentes actions menées par le CRAN en France depuis 2013, entre autres choses. Très clairement, les enjeux contemporains autour de la restitution des biens mal acquis s'inscrivent dans cette généalogie anticoloniale, c'est-à-dire dans la lutte contre le colonialisme pour l'indépendance, ainsi que dans une politique de réparation des torts subis par la colonisation. On sent bien que derrière cet empressement à restituer quelques œuvres emblématiques, il y a une volonté des États européens de rendre les objets sans s'expliquer, sans avoir à revenir sur les conditions d'appropriation de ces objets, sans avoir à se confronter ni à la matérialité des dommages, des destructions, des crimes, ni aux continuités postcoloniales en termes de racines, de discrimination et d'invisibilisation des diasporas africaines en Europe. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'Europe est mal à l'aise face à son devoir d'inventaire, face à l'immense crypte d'artefacts en tout genre ramenés par les agents coloniaux, témoins des crimes et des formes de gouvernementalité coloniale imposées par la violence aux peuples colonisés. Lorsqu'on entend le discours du directeur de Tervuren, on sent bien qu'il parle de restitution sous les bouts des lèvres, contraint par le contexte international. Mais plus encore que les objets, les musées occidentaux sont hantés par leur historicité. En effet, comme le rappelait encore récemment Achim Bembe, ces artefacts traînent avec eux des boulets de dette. Ainsi, l'Europe néolibérale, après des décennies de statu quo et de refus de restituer, tente aujourd'hui de démembrer les enjeux de restitution et de réparation en se construisant une nouvelle virginité postcoloniale. Elle tente par là d'imposer son agenda, ses catégories, ses savoirs muséographiques, son droit du patrimoine, sa coopération, sa conception de ses biens en tant que patrimoine de l'humanité, à l'Afrique, mais aussi aux diasporas subsahariennes en Europe. Comme a commencé à le poser le dernier atelier « Penser une politique de la restitution » en décembre dernier à l'Horloge du Sud, pour renverser cette appropriation, cette prise de possession dans le temps long, et restituer les crimes coloniaux qui ont arraché ces artefacts à leur territoire de production et de sens, plutôt que de partir du droit de propriété, il serait possible de partir du droit pénal, et plus précisément des notions de recel et blanchiment. Je vais rapidement les reciter ici, je m'excuse pour les personnes qui ont déjà entendu, mais ça me semblait important d'insister sur ce point. En effet, on parle souvent des restes humains, mais dans le cadre, par exemple, du crâne de Lusinga, il s'agit du reste d'une dépouille mortelle d'une personne assassinée. Dans ce cas, on peut parler de recel de cadavre, ce qui constitue une infraction pénale. On pourrait donc étendre le délit de recel aux objets obtenus par le pillage, le massacre, l'extorsion ou la conversion forcée. La notion qui se situe ici au cœur du raisonnement juridique est celle de vice de consentement. Celui qui prend possession commettrait ainsi un délit de recel d'une chose obtenue à l'aide d'un crime ou d'un délit. Le recel d'objets acquis par le crime se double du délit de blanchiment. C'est-à-dire que le bénéfice tiré d'un vol, d'un assassinat ou d'un pillage, la gestion financière de cet avantage patrimonial, direct ou indirect, constitue également un délit. Ainsi, il ne s'agit plus uniquement d'objets patrimoniaux, mais du prix, c'est-à-dire de la valeur tirée du crime. Dans une telle perspective, la restitution n'est plus un acte moral issu d'une action volontaire des anciens États coloniaux. Une action symbolique, produite d'une prise de conscience postcoloniale, bref, une action engagée par l'ancien colon. Mais une obligation et une contrainte requises par les crimes et les dommages commis. Avec les notions de recel et de blanchiment, le crime se poursuit à chaque étape de la gestion patrimoniale, jusqu'aujourd'hui, car ces infractions, donc les infractions de recel et de blanchiment, sont imprescriptibles. C'est important que nous puissions revenir sur les enjeux
autour de la question des restitutions et des réparations postcoloniales dans le cadre du génocide Memorial Day organisé par les membres du réseau décolonial européen afin que reste vive la mémoire des génocides et des crimes coloniaux. C'est pourquoi je voudrais terminer mon intervention par ouvrir sur la question du travail forcé. En effet, dans le cadre des campagnes pour la reconnaissance de l'extermination des Juifs d'Europe durant la Seconde Guerre mondiale, dans l'après-guerre, c'est cette notion de travail forcé qui a permis d'engager un travail de réparation conséquent, notamment par l'intermédiaire du programme d'indemnisation des victimes du travail forcé en Allemagne, mais aussi des programmes de dédommagement des anciens travailleurs forcés et ou réduits en esclavage et des autres victimes du régime nazi, par l'intermédiaire de l'Organisation internationale pour les migrations. Pour le cas des crimes coloniaux commis au Congo, je m'appuierai ici brièvement sur les travaux de l'historien congolais Elikhan Mokolo. Encore aujourd'hui, on a tendance à circonscrire les crimes coloniaux à l'État indépendant du Congo et au régime d'extraction du caoutchouc léopoldien, et ainsi à minorer la responsabilité de l'État belge dans le cas du Congo belge. Or, s'il y a certaines mutations du travail forcé, il s'agit d'une constante coloniale qui persiste à certains égards jusqu'à aujourd'hui. Le travail forcé se met en place au Congo à partir de 1880 et sera progressivement légalisé au cours des deux décennies suivantes. En effet, de 1880 à 1906, durant la période de conquête de l'espace territorial colonial, de nombreux massacres et des formes de violence exterminatrices sont commises. Progressivement se met en place un système juridique qui rend le travail obligatoire. Le travail forcé au Congo prend essentiellement deux formes. Il y a le travail d'utilité publique, construire des routes et des équipements, porter les affaires des troupes et des administrations coloniales, qui consiste à réquisitionner des hommes dans les villages, ce qui aura entre autres pour conséquence de profondément déstructurer les communautés. Il y a aussi le travail forcé organisé par les compagnies concessionnaires, c'est-à-dire par des entreprises privées qui disposent de privilèges spéciaux pour exploiter économiquement certains territoires de l'État indépendant du Congo et disposent de droits sur la terre, sur les biens, mais également de droits régaliens, dont le permis de disposer de forces de l'ordre et de milices. Mais avec le XXe siècle, la reprise du Congo par la Belgique, le travail forcé ne disparaît pas. Malgré une forme d'économie qui se préoccupe davantage de production minière et agricole, de nouvelles formes de travail forcé sont mises en place. Les travailleurs forcés sont réquisitionnés et maintenus au travail sous la contrainte, par la terreur, la torture ou les prises d'otages. Ils sont encadrés par des forces de l'ordre et des milices. Ils ne touchent aucun salaire et doivent être nourris par les populations villageoises pour survivre. Il faut se rappeler que le régime léopoldien a servi de modèle dans la mise en place du système concessionnaire français, mais aussi pour l'action coloniale allemande en Afrique de l'Est et du Sud-Ouest, ainsi qu'anglaise en Rhodésie, dans la mesure où ce système basé sur les crimes, la terreur, l'apartheid et le travail forcé permis aux rois des Belges d'obtenir un retour sur investissement rapide et très important. Le travail forcé est demeuré généralisé jusqu'au moins à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Bien qu'il ait ensuite été officiellement aboli par la France, essentiellement sous l'action de Félix Houphouët-Boigny et de Léopold Sédar Senghor, il a subsisté au Congo jusqu'à l'indépendance et dans certaines circonstances jusqu'à aujourd'hui. Il y eut beaucoup de résistance au travail forcé. Au temps de la conquête coloniale, à la fin du XIXe siècle, elle a pris le plus souvent la forme de la fuite. C'est encore ce que font aujourd'hui les migrants. Mais elle prit aussi la forme d'insurrection ininterrompue, accompagnée de formes de soumission et d'obéissance. Les formes de résistance vont devenir plus difficiles une fois que les chefferies seront décapitées et mises au pas. Cependant, jusque dans les années 1920, la pacification du Congo, selon le vocabulaire colonial de l'époque, a été très difficile, comme on le perçoit assez clairement dans l'action de Emil Storms fin du XIXe siècle. Avec les années 1930 et la crise économique, les mouvements de dissidence réapparaissent, particulièrement au Congo belge. À partir de 1940, et plus encore avec la Seconde Guerre mondiale et la politisation anticoloniale à partir de 1945, elles se multiplient et prennent plus souvent la forme de guérillas larvées. On dit souvent que la qualification de crime contre l'humanité pour qualifier ces crimes coloniaux serait anachronique. Pourtant, déjà chez l'auteur afro-américain George Washington Williams, en 1895-1896, on retrouve l'expression de crime contre le genre humain pour qualifier les crimes qui sont commis par le régime léopoldien. Mark Twain ainsi que Charles Peguy
partent de leur côté pour qualifier le régime d'exploitation de travail forcé, de traite des esclaves modernes. Le courant porté par des gens comme Edmund Morel parlait de la nécessité d'une justice internationale pour juger ces crimes contre la civilisation et les droits de la personne. Pour ce qui concerne le scandale du travail forcé lié à la construction du chemin de fer belge, 1890-1898, on dispose entre autres des témoignages d'Albert Londe et d'André Gide. Aujourd'hui, il serait possible de retrouver des victimes du travail forcé au Congo, encore vivantes. Il y a quelques témoignages dans le documentaire qui a été diffusé récemment sur la VRT, Les enfants de la colonisation. Cette prise en compte du travail forcé dans la construction d'une politique de réparation est importante car elle permet de relier les enjeux de restitution aux questions d'exploitation économique, ainsi que d'asservissement par la dette dans leurs conséquences les plus contemporaines. C'est aussi pour nous une façon de renouer avec la demande formulée par Lumumba et Kazavubu dès avant la table ronde économique, où ce enjeu de restitution du patrimoine congolais était lié aux questions de transfert de capitaux et d'annulation de dettes contractées par les colonisateurs. Aujourd'hui, ces questions sont le plus souvent désarticulées par les pouvoirs publics et les institutions dont le pouvoir est hérité de l'hégémonie coloniale. Il s'agirait donc de repolitiser ces questions de restitution au regard des enjeux de réparation des crimes coloniaux et du travail forcé, et ainsi d'éviter qu'ils demeurent de seuls enjeux patrimoniaux et d'accès à la culture. Dans cette perspective, on comprendra que rétablir ou restaurer n'est pas du tout la même chose que se repentir, car compenser ne veut pas dire effacer le tort. Il n'en résulte aucun acquittement. Pour qu'il y ait réparation, pour qu'il y ait réparation véritable, il est indispensable de parvenir à estimer les dommages subis. Ce calcul des dommages s'effectue à la mesure des violations de la vie subie et instaure ainsi un droit davantage ouvert vers les personnes que vers les biens et la propriété. Je vous remercie. Merci Martin. On va maintenant la parole à Sandou, qui va nous parler de réparation d'un point de vue économique de la colonisation belge au Congo. La présentation, il va la faire en anglais, Sandou. I apologize for not being able to speak in French, but I hope that you could follow my introduction by looking at the PowerPoint slide. And now, I've written a book on reparations, 20 questions and answers about reparations for colonialism, where I deal with all the arguments against reparations. It's one section of the book. So I'll go through all the arguments that have been produced in the course of different studies and different political actors. One argument is that black people owe reparations to white people for the civilizing work of white people. Mm-hmm. Well, that is Denise D'Souza in the USA is putting this forward. Blacks should pay whites for reparations because white abolished slavery. This is a popular argument in the British things. The amount for reparations is so high that's not worth considering it. The West has already been paying for reparations through decades of development aid programs, so there's no need for a new program of reparations. There's no use in giving money to the former colonies because of corruption and inefficiency. There are more important issues in the world than reparations. Reparations have already been paid. In the USA, they see the Civil Rights Acts as a way to compensate for enslavement. Reparations should address modern-day slavery and not the slavery of the past. Africans should pay reparations to blacks in the Americas for their role in the transatlantic slavery because they assisted whites in enslaving Africans. There is no direct relationship between harm and compensation. So the victims are already dead, so you don't need to pay the living people for the harm that was done by the people who are dead. And it took place a long time ago, so let's forget it. A person cannot inherit the guilt of the perpetrators of a crime. So white people today are not guilty of the crimes of their parents. Let's forget the past and focus on the future. The issue of reparations creates division in society, and a call for reparation is emotionally devastating because it raises false hopes that will never be fulfilled. These are the arguments against reparations. Now, what is interesting is
that these arguments have never been used when reparations were paid. For example, the reparation paid in World War II, when the French had to pay reparations to the Britain, Austria, and Russia. In World War I, Germany paid to the Allied force. World War II, Germany, Italy, and Japan paid to the Allied force. These arguments were not discussed. The arguments against it. The Jewish Holocaust asked for reparations when they prepared the conference before the ending of the war. Before the war ended, they organized a conference in the USA, claims conference, and put a demand for 822 US million. They got reparations after that, year by year by year, without even asking for it. And they got 70 billion reparations, 85 more times than was asked. Never all the arguments against reparations were used there. When Haiti paid reparations to France for stopping the invasion and reestablished slavery between 1825 and 1947, all the time Haiti paid reparations to France, no discussions about why we should pay reparations. When criminals, drug criminals, the criminals of slavery, those who enslaved people, got reparations in France, the UK, and the Netherlands, because so-called they lost their property. So they got reparations. Reparations were paid to drug dealers when the European forces, led by Britain, forced the Chinese in the Opium Wars to import drugs, then the Chinese were forced to pay for the cost of the war. Never any argument about the legitimacy of reparations. Iraq invasion of Kuwait. The US let Iraq paid $52 billion via the UN for reparations. Indonesia paid Holland reparations for the independence war, which was bigger than the US Marshall Plan, the money they got from the US Marshall Plan. And it was paid between 1950 and 1956. So never was all the arguments against reparation were not discussed there. Now, my topic is to calculate the amount that Belgium should pay the Congo for reparations, and to explain the method of calculation. You have to understand what the colonizing of the mind is. The method I use for reparation is different. Some people use the method of reparation that they calculate, for example, in Suriname, Armand Sunder, an economist, calculate how much products, sugar, coffee, were exported to Holland and what wages should they have been paid to the enslaved people. That's one method. But the method I propose is the following one. I use the economic theory of capitalism. And I start and say, if you build an enterprise on land that is not yours, you should pay rent. Yeah. It's a normal principle in capitalist economics. You know, you don't pay, you don't put up a company here in Brussels and you don't pay rent. So you should pay rent if you put it on land that is not yours. If you take good that is not what you should pay for, you can't go to the supermarket, take a bottle of Coca-Cola and go away. Impossible. The capitalist economy says you should pay for what you steal. You should pay for what you take away. If you do it, if you don't do it, it's called stealing. If you perform labor on, if somebody performs labor on your behalf, you should pay a proper way. So if you ask somebody, paint my wall at the house, you should pay the person. It's a normal principle in capitalist economy. If you intentionally harm somebody and you cause injury, you should pay compensation for the injury. And if you have a debt, you should pay interest unless you're a Muslim. You know, could be a reason to convert, but it is an accepted principle that you pay interest for the debt. And the French asked to force Haitian to pay 6% on their debt. So, and as a good scientist, you put up a mathematical model, and then you calculate what they should pay. This is a general model, right, for colonialism as a whole. And then we do it for Belgium. So what we do now
We take a simple Excel sheet for Belgium, and then we say, look, let's see what the Belgium should pay to the Congo. And then we start with the rent. How much is the surface in square meter per year in the Congo? So I took it somewhere from the internet, you know, and it is about 2.3 billion. And I took the rent that is being paid today in Belgium for per square meter, which is about 3,000, and I took 10 euros, not 3,000. It's very little. Yeah. You see, I'm being very gracious to the Belgians for this. You know, only 10 per square meter. I took the period from 1870 to 1960. So this is the amount they have to pay for the years, which is about 4.8 times the GDP of Belgium. Only for the rent. Okay. Only for the rent. Now we have to go to the goods they have stolen, the rubber, and the, all the crimes they have committed. But the problem is, I don't have that information. So here is a lot of work to do for our young scholars in the universities and try to figure out what did they steal, what was the price, what is the value, and a lot of PhDs could be done on this. Then we go to the unpaid labor. What they should have been paid to the Congo for the slave and slavery and slavery unpaid labor there, which is about 1.2 times the GDP of Belgium, and the compensation for human suffering, because they killed 10 million people in the Congo, you know, and all these people should have gotten some kind of reparations. I used not 6% of Haiti, but 3% interest. I didn't calculate that. So this is the amount that Belgium should pay, which is quite a lot, which is 33 times the GDP of Belgium, right? So this is the bill we're going to put to them. And now the question is, how do you move forward with this information? There are three things you could do. Use this as a tool for education and fighting amnesia. Use this as a tool for decolonizing the mind and expose the hypocrisies, the lies, the insults. And if you do that, you shouldn't be afraid for getting the reaction. And use it as a tool for mobilization and organization. So what is the educational theme of it? By documenting the crimes of the Belgian genocide, that's why it's Genocide Memorial Day, we should document, and the crimes have been documented in the Congo, you know, there's a lot of documentation there. There's no museum in Belgium that exposes all these crimes. You know, they might have a museum with somebody, a picture here and a picture there, but a systematic Holocaust museum is not here in Belgium for the Holocaust they caused there in the Congo. And you use reparations as a tool to discuss why it's important to do the life history of those who have been harmed there. And we should try to set up a Belgium Holocaust Genocide Museum here, and it should be paid as part for reparation by the Belgians themselves. Second thing is, if you bring this figure in the open, of course you got a lot of critique. How can you do this and why, and it's about money and all the arguments against reparations, which were never used in all the cases I mentioned, will come for. And you should train people to engage in these debates and organize public debates about reparations, because the next step is that you prepare a court case against the Belgian royal family, the Belgian state, and the co-signers of the 1884 Belgium Conference, and ask for reparations, and do it either through a court case, through tribunals, and that is a mechanism to fight colonialism. It's a mechanism. And you know you will get a lot of reactions, you will get a lot of antagonism, but that is called struggle. Thank you. Merci Sandou.
je vais donner la parole à Véronique qui va nous parler du rôle de la diaspora dans la discussion sur le musée. Oui, c'est ça. La restitution, merci. Ok, ben, merci à vous pour l'invitation, merci pour les deux présentations qui m'ont précédée. Donc voilà, on m'a demandé de parler la question de la place et du rôle de la diaspora noire-africaine dans l'aventure de l'Africa Museum, donc qui est le musée royal d'Afrique centrale. Comme beaucoup le savent, il vient de réouvrir. Et ça fait plus ou moins depuis 2000, le début des années 2000 qu'il est dans ce processus de rénovation. Et depuis 2003, la diaspora africaine de Belgique, donc principalement congolaise, rwandaise et burundaise, est inscrite dans les processus de consultation avec le musée. Et donc je voudrais un peu éclairer ces processus de consultation, mais sous le prisme de la question qui nous occupe, bien sûr, donc qui est celle ici de la restitution. Et je voudrais suggérer en fait que la présence des diasporas africaines au sein du musée, je voudrais essayer de faire sentir que cette présence au sein du musée est en réalité une pièce de plus dans les rouages d'une politique de non-restitution. Donc là où les défendeurs institutionnels de ce processus, donc de cette consultation, disent que c'est tout à fait novateur, que le musée est pionnier en la matière, en tout cas au niveau européen, je propose de dire qu'au contraire, ce n'est pas du tout un acteur politique à part entière, ce n'est pas un sujet politique, mais que les diasporas, ils sont plutôt des objets, qu'elles sont instrumentalisées, qu'elles y tiennent des fonctions qu'elles n'ont pas choisies. Et donc, je le ressouligne, qu'elles sont une pièce de plus dans les rouages d'une politique de non-restitution. Et donc, Martin en a un petit peu parlé avant moi. Donc, s'il s'agit d'une politique de... Pourquoi est-ce qu'on a parlé d'une politique de non-restitution ? On parle de politique de non-restitution pour dire que si la question de la restitution n'est pas traitée en Belgique, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas un basculement dans l'oubli qui s'est fait comme ça par espèce de contingence. Non, c'est un oubli qui est instrumentalisé, c'est un oubli qui a été sciemment structuré, et donc c'est un oubli structurel. Et donc, ma proposition qui est de dire que les diasporas tiennent un rôle dans cet oubli structurel m'amène ici à revenir un petit peu, pour comprendre ce rôle des diasporas dans cet oubli structurel, m'amène à revenir un petit peu à la question de comment cet oubli est-il devenu structurel. Qu'est-ce qui a favorisé la structuration de cet oubli? Et je voudrais revenir sur trois facteurs historiques qui me semblent avoir joué en faveur d'un oubli structurel autour de la question de la restitution. Et j'ai un petit peu croisé du coup ce que Martin ici a déjà dit, mais je vais être un peu plus rapide puisque de toute façon je veux revenir sur la question vraiment de la diaspora dans le musée. Et donc pour revenir sur cet oubli structurel, en effet, bon, il y a cet article très intéressant que je vous invite tous à lire de Sarah Van Beurden, qui a écrit un article sur la question de la restitution. Donc elle-même, elle a fait une thèse sur l'historique de la collection, des collections d'objets ethnographiques au sein du musée. Et elle a écrit un article très intéressant où donc elle explique que de fait, la question de la restitution en tant que revendication politique a été écartée, totalement mise à l'écart, évincée dans les années 60, en 1960, au moment de la table ronde économique, quand bien même il y avait des revendications politiques qui allaient dans ce sens-là, et que ce qui était en jeu pour les acteurs congolais, c'était d'une part, avec la question de la restitution, d'interpréter le colonialisme comme un pillage systématique. Et deuxième chose, de revendiquer le retour d'un patrimoine culturel qui pouvait servir l'accès à une souveraineté nationale. Donc c'était les deux points très importants avec la question de la restitution. Mais cette question a été donc évincée de la table ronde économique et elle s'est retrouvée très très rapidement, en 1960, elle s'est retrouvée intégrée à un plan de coopération culturelle entre la Belgique et le Congo, donc avec subordonné à la création d'un musée national et d'un institut des musées nationaux. Et avec cette opération, en fait, de glissement de la sphère politique, d'une question politique
à une question de coopération culturelle. C'est tout un langage qui s'est retrouvé transformé. Et donc, d'après Sarah Van Burden, c'était bien là le but, c'était d'effacer le terme même de la restitution, donc qui comporte une définition de ce qu'est le colonialisme, donc d'effacer, d'estomper ce langage et de le transformer. Et de fait, depuis les années 60, là où le terme a émergé, il s'est tout de suite retrouvé aboli et a été remplacé, il s'est retrouvé substitué par des termes comme transfert, cadeau, relation de partenariat et de questions d'aide technique entre la Belgique et le Congo et les musées au Congo avec des chercheurs mis sous tutelle, des chercheurs congolais mis sous tutelle. Et évidemment, une aide, on voit, il y a aussi évidemment tout un chantage politique, puisque cette aide technique qui est concédée aux musées nationaux du Congo sont conditionnées par l'abandon de la question de la restitution comme revendication politique. Et donc, la question, il ne s'agit plus d'une question politique, mais d'une question de coopération depuis lors, au point où en Belgique, tout le monde semble penser, en tout cas je parle des acteurs politiques, qu'il y a un abandon de la question de la restitution en tant que revendication politique, qu'il y a une espèce de renonciation, qu'il n'y aurait plus de demande. Et aujourd'hui, c'est le premier embarras face auquel vont se retrouver les administrateurs de musées, les acteurs politiques. Oui, mais est-ce qu'il y a une demande? Pensez-vous vraiment qu'il y a une demande? Donc il y a l'idée très ancrée qu'il y aurait eu un renoncement de cette question, alors qu'en réalité, elle s'est retrouvée mystifiée dans un autre langage, au point qu'on ne la reconnaît plus. Donc ça, c'est le premier facteur qui fait tomber dans l'oubli structurel la question de la restitution en tant que revendication politique. Et je voudrais pointer un deuxième facteur qui joue en faveur du basculement de la question de la restitution dans l'oubli structurel. C'est cette fois-ci la façon dont les disciplines scientifiques fonctionnent à cette période-là, donc les années 60 avant, on pourrait même dire 19e siècle, et encore aujourd'hui dans le chef de certains chercheurs, notamment au musée. Et ce qu'on pourrait dire, c'est que les scientifiques sont dans un rapport, encore au musée très fort aujourd'hui, les scientifiques du musée sont dans un rapport de rupture radicale avec les conditions sociales, historiques, dans lesquelles les objets ont été acquis. Et on peut le sentir, ça, à deux égards. Et tout d'abord, en faisant savoir que c'est vraiment une minorité d'objets et artefacts ethnographiques qui arrivent au musée d'abord du Congo, puis au musée du Congo belge, puis au musée Afrique-Orient centrale, qui arrivent par le biais des missions scientifiques. Donc ils font bien des commandes, mais la majorité ne va pas sur place. La majorité des objets sont en réalité issus des expéditions militaires ou sont issus des récoltes organisées par les missionnaires. Donc ça veut dire que les scientifiques, ils sont bien dans une tour d'ivoire et ils n'ont absolument pas connaissance de ce qui se joue, de ce qui se trame sur le terrain. Donc on peut imaginer qu'il y a une première rupture qui s'opère comme ça, mais c'est aussi une autre rupture, ou disons que cette rupture-là, elle est accentuée par une épistémologie scientifique, qu'on pourrait dire naturaliste, ou qu'on pourrait dire moderniste, qui est le fait que ce soit les cultures des sociétés africaines, donc aux yeux des scientifiques du musée, ou la nature, la biologie, la nature environnante, ceux-ci sont étudiés en objets connaissables, appréhendables, depuis une position de surplomb. Donc la position de ces scientifiques, depuis une position de surplomb. Donc c'est-à-dire que toutes les interférences, tous les gestes qui ont permis la transformation de ces objets en objets scientifiques, connaissables par eux, où précisément se loge cette violence coloniale, tous ces gestes, toutes ces opérations ne font aucunement partie de la sphère de la recherche scientifique. Donc ça signifie qu'ils connaissent les artefacts uniquement par l'intermédiaire des classements scientifiques qui sont ultérieurs à cette mise en objet, à cette fabrication en objet scientifique. Et donc on peut demander à un anthropologue du musée, il n'est pas anthropologue, je pense qu'il est historien de l'art, Julien Volpert, parce qu'on l'a vu pas mal à la télévision ces temps-ci, on peut lui demander énormément de choses sur l'origine des objets et il pourra donner beaucoup d'informations sur les régions, sur les usages, peut-être même sur les symboles, mais il ne pourra pas dire comment les objets ont été obtenus.
précisément quelles sont les conditions sociales de l'obtention qui ont permis d'obtenir ces objets-là, il ne pourra rien dire. Et donc on a des objets qui ont une valeur universelle scientifique, une valeur qui s'est construite dans l'ignorance des modalités d'obtention de ces objets et dans l'ignorance également de ce qui a été transformé en objet scientifique et comment ça a été transformé. Et donc, ce que je veux dire par rapport, on pourrait dire, bon, mais ça, c'est le problème scientifique, on s'en fout un peu, c'est le leur, il y a d'autres sphères qui agissent, politiques, si ce n'est qu'il y a une collusion, en tout cas dans les années 60, il y a vraiment une collusion entre cette coopération culturelle qui décide du sort de ces objets et ces scientifiques. Pourquoi ? Parce que ce sont, et Martin l'a dit, c'est la direction du musée de Tervuren qui machine cette non-restitution. Donc c'est notamment Lucien Cahin qui restait le directeur du musée de Tervuren. Donc il l'était durant les années 60, il est resté 17 ans, donc on peut dire qu'il a un peu régné sur le musée de Tervuren, qu'il était géologue, et c'est lui qui a milité pour cette non-restitution. Et donc ça veut dire que d'un côté, on a des questions éminemment politiques qui sont posées par l'État congolais, mais qui ont des implications culturelles et qui sont subordonnées à des enjeux scientifiques avec une épistémologie moderniste. Voilà, et l'attribution d'une valeur scientifique qui est de surplomb. Donc voilà, ça c'est le deuxième facteur qui favorise cet oubli structurel. Et je voudrais rapidement en énoncer un troisième qui me semble aussi important à considérer pour comprendre cet oubli politique. C'est cette croyance viscérale en Belgique dans le fait que ces ressources lui appartiennent, qu'elles appartiennent au patrimoine belge. Et pour cause, elles lui sont littéralement intégrées. Et en réalité, c'est clair, il y a une conversion de ces ressources congolaises en patrimoine visuel qui est intégré, qui confère un certain prestige à la Belgique. Et ici, je pense au patrimoine artistique. Et voilà, pour donner une illustration, mais sans être trop longue là-dessus, il suffit de penser à l'utilisation de l'ivoire et du bois congolais qui a contribué à rendre possible les nouvelles conventions artistiques que représente l'Art Nouveau. Mais ce n'est pas seulement des décors particuliers, des architectures particulières ou des nouvelles lignes particulières, c'est plus que ça, c'est tout cet Art Nouveau qui va servir de cadre esthétique, de présentation, de démonstration de toutes les ressources qui arrivent du Congo, que ce soit des animaux empaillés, que ce soit des objets ethnographiques, que ce soit des pièces végétales. Il y a toute une esthétique coloniale avec cette interaction entre production d'artistes belges et ressources spoliées du Congo qui vont commencer à composer un patrimoine artistique belge et conférer à la Belgique un certain prestige. Et donc, dans tous les débats sur, enfin pas les débats, mais les espèces de résolutions, les fausses résolutions de la restitution, on verra qu'en particulier, certains objets de collection auront beaucoup plus de mal à être restitués parce que certains objets de collection sont complètement intégrés dans un système de valeurs occidentales plus que certains autres. Donc il y a clairement des hiérarchies que moi je ne connais pas, mais entre tels et tels objets de collection, certains sont incorporés dans le patrimoine artistique ou scientifique belge. Et donc, voilà, je voudrais proposer donc cet oubli structurel, s'il est possible, c'est qu'il repose sur ce complexe entre l'idéologie de l'aide au développement, donc la dite coopération culturelle, les chercheurs, et donc des chercheurs qui travaillent au Congo sous tutelle, une épistémologie scientifique, donc des chercheurs qui se sont eux-mêmes abstraits et qui ont isolé les objets des milieux où ils vivent, et enfin des objets qui sont intégrés au patrimoine artistique belge. Et donc, il me semble qu'il y a là un complexe très serré, très intriqué, qui irrigue toutes les sphères de la société belge et qui rend cette question de la restitution presque indicible, ou en tout cas qui jusqu'à aujourd'hui, depuis les années 60, ne s'est pas vue formulée, ou comme l'a dit Martin, du bout de la bouche. Et d'ailleurs,
On remarquera qu'il y a des universités qui travaillent avec le musée de Tervuren sur des restes humains. Elles vont très très loin dans la réflexion sur comment ces restes humains sont ici, qu'est-ce qu'on leur a fait subir, mais ne vont jamais jusqu'au point de la restitution. Il y a toujours un point de fuite qui laisse la question de la restitution dans l'ombre. Donc on peut parler d'oubli, on peut parler de tabou, qui vraisemblablement ne peut pas être ouvert ou touché parce que ce serait une boîte de Pandore qui déboucherait sur la question de la comptabilité et des réparations. Mais donc la diaspora dans tout ça, puisque voilà, je souhaite parler de la diaspora. Je souhaite parler de la diaspora parce que je pense pouvoir dire qu'il y a deux périodes de changement. La première dont on vient de parler maintenant avec les indépendances, qui sont une période de changement sur fond de continuité, on l'a bien compris, des conjonctures qui changent, des acteurs qui changent, mais des rapports structurels et de domination qui restent les mêmes. Et je voudrais proposer qu'ici, pas justement ici, mais depuis les années 2000, on est dans une autre période de changement, avec la diaspora qui entre dans la course, mais qu'on est tout autant qu'avec la première période, dans une période de changement sur fond de continuité. Et c'est de ça que je voudrais parler maintenant. Donc, comme je l'ai dit en introduction, donc à partir de 2003, il y a les diasporas qui font leur entrée dans le musée. Donc, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais il y a en tout cas le COMRAF, qui est le conseil de consultation entre le musée de Tervuren et la diaspora africaine. Parfois, on dit concertation, mais ce n'est pas une concertation, c'est vraiment une consultation. Donc elles arrivent en 2003, on est dans une autre conjoncture, donc il y a un nouveau directeur qui est le directeur actuel. Je crois ne pas me tromper que pour la première fois, ce n'est pas un directeur qui est un scientifique chercheur, mais qu'on a là un manager d'institution, donc qui explique peut-être la raison pour laquelle il y a une petite ouverture sur des questions un peu plus politisées. Il y a la nécessité, au fait, de faire aussi entrer les diasporas, parce que la Belgique, sur ces questions postcoloniales, est totalement en crise au début des années 2000. Donc il y a le fameux livre d'Adam Hochschild sur le Léopold II génocidaire, qui a fait un bruit du tonnerre à un niveau international. Il y a le livre de Ludo de Wit sur l'assassinat de Patrice Lumumba, donc qui force la Belgique à mettre en place une commission parlementaire. Il y a la crise des musées ethnographiques. Donc la façon, pour le dire de manière très rapide, la façon de montrer les populations, les sociétés africaines en créant comme ça une dichotomie entre modernité, tradition, contemporanéité, archaïsme. Donc il y a une crise qui se produit à l'intérieur des musées ethnographiques. Et donc on entre dans il y a forcément les diasporas africaines à partir des années 2000 qui sont de plus en plus présentes en Europe, ce qui n'est pas le cas dans les années 60. Et il y a presque une nécessité au fait institutionnelle à les faire participer. Et si donc ça, c'est pour dresser un petit peu le tableau sur ce changement de conjecture qui existe à ce moment-là, ce qui n'était pas le cas dans les années 60, qui existe aussi en écho avec ce qui se fait outre-Atlantique. Donc je pense notamment au Canada, aux États-Unis, à la Nouvelle-Zélande, où les populations autochtones sont aussi sur cette question politique de la restitution, enfin, où sont sur la question politique de la restitution, là où peinent à y être les acteurs politiques au Congo et dans d'autres pays, en tout cas, se bataillent sur autrement, et des populations autochtones qui remportent sur ce plan-là quelques succès. Voilà, on est donc dans ce changement de conjoncture. Et donc, voilà, dans ce changement de conjecture, je voudrais maintenant montrer comment faire sentir comment cette diaspora est donc une nouvelle pièce dans le rouage de cette politique de non-restitution. Donc à partir des années 80, à partir des années 80, il est de bon ton dans les musées de travailler en collaboration avec ceux qu'on appelle, ou celles qu'on appelle les communautés sources. Donc ce sont les communautés dites comme ça parce qu'elles sont originaires des régions ou des pays d'où viennent les collections. Et donc c'est notamment l'ICOM que certains d'entre vous connaissent, c'est le Conseil international des musées,
qui est une instance régulatrice, donc qui dicte des recommandations sur la déontologie des musées, sur la pratique éthique des musées. Et l'ICOM va recommander aux musées, donc à tous les musées au niveau international, de collaborer avec les communautés sources. Et l'ICOM va prescrire notamment le dialogue visant avec les communautés sources entre les acteurs muséaux et les communautés sources. Donc va prescrire un dialogue visant le retour, si possible, hein, c'est des recommandations, ça n'a pas force de loi, visant le retour des biens culturels vers les pays ou les communautés d'origine. Et donc c'est comme ça, avec ces recommandations qui sont érigées en articles au niveau international, que l'on va de plus en plus, à partir donc des années en Belgique, à partir des années 2000, qu'on va entendre depuis la bouche du directeur dans une espèce de sphère internationale du discours, on va de plus en plus l'entendre dire « nous collaborons avec les diasporas africaines ». Et donc bien sûr, quand il dit ça, les arguments par rapport à cette volonté de collaborer de plus en plus avec les diasporas africaines, c'est d'abord de leur donner accès à un patrimoine matériel et immatériel, donc on ne parle pas de restitution, leur donner accès par des visites dans le cadre du musée, de tenter, en travaillant avec ces diasporas, de tenter des perspectives sur l'Afrique centrale qui ne soient pas uniquement blanches et européennes. On retrouve ici la crise des musées ethnographiques. Mais c'est aussi, c'est ça que je voudrais souligner, c'est aussi se mettre en conformité avec les recommandations de l'ICOM. Donc c'est clairement diplomatique et c'est clairement une caution morale. C'est se mettre en conformité avec les recommandations de l'ICOM. Et le COMRAF est ainsi présenté comme, donc le COMRAF dont j'ai parlé, ce conseil de concertation, est ainsi présenté comme résultant de la volonté d'associer les ressortissants, ici je lis, associer les ressortissants des pays d'Afrique, d'où proviennent la quasi-totalité des collections du musée. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que cette description du COMRAF, c'est une traduction de ce que recommande l'ICOM. Et de son côté, l'ICOM érige ce principe, cette recommandation, en référence aux modalités via lesquelles sont résolues, en tout cas momentanément, les tensions entre les musées nationaux ethnographiques outre-Atlantique et les communautés autochtones, qui, elles, donc, en termes de restitution, comme je disais, ont rencontré quelques succès. Et du coup, avec ce discours, nous collaborons avec les diasporas africaines à un niveau international. Ce que le directeur fait, ce à quoi il procède, c'est qu'il procède à une espèce de symétrie, donc il suggère une symétrie entre ce qui se passe au niveau européen et ce qui se passe au niveau outre-Atlantique. Donc, c'est un discours qui permet de penser que les contextes sont comparables. Et c'est un discours qui permet donc de dire nous sommes bien dans cette ligne-là. Oui, l'ICOM, nous sommes bien dans cette ligne-là. Sauf qu'il oublie de dire, et c'est sans doute quelque chose qui passe inaperçu aux yeux de beaucoup d'observateurs, c'est qu'il oublie de dire d'une part que les diasporas africaines en Europe ne jouissent absolument pas des mêmes ressources organisationnelles que les communautés autochtones outre-Atlantique, qui, elles, ont gagné, ont rencontré des réussites, ont rencontré des victoires en termes de restitution. Du coup, c'est-à-dire que ces communautés ont réussi à ce que la restitution soit posée en termes de questions politiques, ce qui n'est pas le cas de ce côté-ci, d'autant plus que la question de la restitution s'est retrouvée complètement cadenassée, puisque, comme on l'a dit, elle est gérée avec les anciens pays colonisés et qu'elle est sous la houlette des politiques de coopération et qu'elle n'existe plus en tant que telle, cette question de la restitution. Et donc, quand le directeur dit « nous collaborerons avec les communautés originaires des pays, des régions, d'où proviennent les objets », en réalité, il n'y a rien qui se passe. Donc, on est dans un discours qui fonctionne comme un miroir aux alouettes. Mais pourtant, c'est un discours dont il a éminemment besoin pour répondre au niveau international à ces normes. Au lieu de ça, ce que je voudrais plutôt dire, c'est que les diasporas est un acteur qui est dans une relation subalterne et qui sert donc de caution politique
et qui permet le maintien d'une politique de non-restitution et qui permet de faire penser que la question de la restitution existe, est présente, là où elle ne l'est absolument pas. Et donc, je voudrais ici montrer en trois points, mais je pense qu'il pourrait en avoir 9, 10, et nous sommes plusieurs à avoir expérimenté les relations au musée. Donc, on pourrait avoir beaucoup de témoignages pour faire sentir cette subalternité et comment les diasporas servent de caution morale. Mais moi, je voudrais ici pointer trois points, faire sentir qu'elles sont subalternes et faire sentir que la question de la restitution, malgré ce discours de miroir aux alouettes, que derrière ce discours, il n'en est rien par rapport à la question de ce rapport aux objets. Donc, premièrement, excepté un certain nombre de tentatives, les diasporas africaines, quand elles sont dans le musée d'Afrique centrale, dans les processus de consultation, sont peu, voire pas du tout, en prise avec les objets de collection, précisément. Les objets de collection restent la chasse gardée des scientifiques, où on trouve très peu de personnes de la diaspora. Et lorsque elles ont collaboré avec le musée, principalement, elles ont contribué à apporter du contenu pour des expositions qui portaient sur des aspects historiques. Mais donc, il n'y a pas de prise avec les objets. Et pour preuve, les diasporas africaines sont liées au département de relations au public et pas du tout au département scientifique, là où la question des objets se pose. Donc, il y a déjà une séparation, diaspora, relations publiques, expositions qui ne sont pas liées aux objets, et scientifiques qui restent avec les objets. Donc voilà, sous le discours, population d'où sont originaires les objets, ça ne marche pas. Deuxièmement, c'est que le COMRAF ne joue pas un rôle d'acteur parce qu'il est tenu à distance des processus de décision. Donc comme je disais, ce n'est pas du tout de la concertation, c'est de la consultation. Je ne vais pas revenir sur ce point, parce qu'à mon avis, j'ai plus que 3 minutes maintenant. Et troisième point, qui est sans doute le plus important, c'est que l'implication des diasporas n'a rien changé à l'épistémologie scientifique en vigueur au musée. Donc l'épistémologie scientifique dont je parlais en introduction n'a pas changé, reste la même. Ça veut dire qu'à aucun moment, on a fait, avec cette implication de la diaspora, n'a réussi à faire exister les objets autrement, en activant ou en actualisant certaines de leurs qualités spécifiques à ces objets, non plus par cette position de surplomb, mais par l'entremise des finalités proposées par les diasporas, ou par l'entremise des options ontologiques qui guident les diasporas, qui suggéreraient alors d'inscrire ces objets dans d'autres généalogies, dans d'autres préoccupations, dans d'autres historiques qui seraient davantage reconnectés justement à leurs conditions d'obtention, d'acquisition, de spoliation. Mais non, à aucun moment, il n'y a eu de rupture épistémologique ou de déplacement épistémologique. Au lieu de ça, pour les scientifiques du musée, les diasporas sont plutôt un segment du public, au même titre finalement que les coloniaux ou les anciens coloniaux. On s'intéresse à leur avis, mais c'est un avis sur les collections éventuellement que les scientifiques veulent connaître, mais au même titre qu'ils voudraient connaître l'avis d'autres segments du public, et surtout un avis qui est opposé au savoir objectif des scientifiques du musée. Donc on a là un savoir universel et des avis, un relativisme de toutes les subjectivités qui se valent. Et donc on a des scientifiques qui ignorent les contrastes de positions entre éventuellement diaspora et anciens colons, et qui feignent finalement d'ignorer les relations de pouvoir hégémoniques dans lesquelles eux-mêmes sont inscrits. Donc on peut dire qu'il y a là une ignorance des scientifiques, mais qui n'est pas anodine, qui est plutôt une ignorance active, qui serait le corollaire d'une position de pouvoir entretenue. Et donc enfin, un dernier point, là où on sent qu'il y a une vraie subalternité, à nouveau, c'est que même la notion même de diaspora revêt un sens tout à fait différent pour le musée que pour les diasporas elles-mêmes. Que pour le musée, ce dont on s'aperçoit, c'est que les diasporas, en raison de leur localisation au nord, sont des acteurs qui intéressent les différents acteurs du musée, dont les scientifiques, mais qui sont constamment posés en contraste avec les Africains du Sud, qui, dans l'imaginaire colonial, restent le vrai partenaire.
Et donc la diaspora est pris comme un public intermédiaire qui n'a rien à voir avec la notion de diaspora qui renverrait à l'idée d'un peuple dispersé, certes avec des inégalités parce qu'on n'est pas tous positionnés au même endroit, mais quand même l'idée d'une diaspora qui subit les mêmes effets de ces événements successifs, qui serait l'idée de ce peuple historiquement dispersé, opprimé et lésé sous les effets à la fois successifs et corrélés de la traite esclavagiste et colonialisme. On n'a pas du tout cette définition-là, la diaspora pour le musée, qui voit la diaspora comme la présence des diasporas au nord, comme l'effet de la migration d'après-guerre, rien à voir avec le colonialisme, donc positionnement dans des états-nations différents et des identités ethnoculturelles qui se maintiennent, mais ils ont cette perception très binaire entre Africains du Nord et Africains du Sud. Donc ça veut dire que même au niveau de la définition de la notion de la diaspora, il y a un rapport de subalternité entre diaspora et cette institution occidentale. Alors, je vais terminer en une minute pour dire que donc, j'ai essayé de pointer qu'il y avait eu deux périodes de changement sans changement, quelque part, et qu'il me semble qu'aujourd'hui, on est dans une période où, de changement avec du changement, donc où le changement lui-même change, et que ce serait cette période-ci, et que précisément, si on est dans une période de changement avec du changement, donc d'un changement qui change, c'est que les diasporas, donc en tant qu'entité hétérogène, éparpillée historiquement, commencent à s'occuper des affaires du musée en se positionnant à l'extérieur du musée. La preuve ce soir. Et ça, c'est tout à fait nouveau, en tout cas dans l'histoire des migrations africaines. Et précisément en posant la question de la restitution qui repolitise toute une série de questions qui ont été auparavant totalement dépolitisées, déconflictualisées. Et que bon, tout ça c'est tout le début parce qu'on peut dire que ça fait quelques mois seulement. Mais en tout cas qu'il y a toute une série d'enjeux aujourd'hui. Donc se redéfinir en dehors du musée, repolitiser la question de la restitution, produire ou s'inscrire dans des réseaux qui repensent autrement les expertises sur ces objets, et qu'on est là aujourd'hui. Et je termine en 30 secondes pour dire que s'il y a tous ces enjeux qui sont là aujourd'hui, et je rejoins Sandhu pour dire qu'il y a des tas de sujets de doctorat pour les générations à venir. Je pense aussi que la question des relations diaspora-musée, ce sont des thématiques de diaspora, parce que je ne pense absolument pas que c'est de la coquetterie que de s'intéresser à ça, dans la mesure où il se trouve justement que le musée et la diaspora ont un peu rompu à la veille de l'ouverture, et qu'aujourd'hui, une des préoccupations principales du musée, c'est de renouer avec la diaspora. Et qu'elle va renouer, elle va tout faire pour renouer avec la diaspora, elle va mettre tous les moyens pour renouer avec la diaspora, elle va mettre tous les moyens pour à nouveau... positionner les diasporas dans un statut de subalternité. Et qui dit statut de subalternité dit perpétuation des rapports coloniaux. Donc il y a une urgence à se définir à l'extérieur du musée et à penser les possibilités de se définir en tant que diaspora à l'extérieur du musée. Alors, merci pour l'invitation et bonsoir à tous. Merci d'être là aussi nombreux. C'est un peu impressionnant d'ici. Voilà, je voudrais m'engager dans cette causerie de manière un peu à la façon d'une improvisation jazz, c'est-à-dire que j'ai quand même quelques lignes de force sur lesquelles je vais m'appuyer et revenir un peu sur l'actualité de cette fameuse restitution dont on parle tellement et qui polarise un petit peu le débat. Et par rapport aux biens culturels qui circulent dans le monde, qui sont détenus dans les musées. Mais d'abord un petit rappel au sujet d'une exposition dont on ne parle plus du tout, qui était pourtant une exposition très importante, qui a lieu en 2000, qui s'appelait Exit Congo Museum, qui s'est déroulée donc au musée de Tervuren, qui était organisée par un jeune anthropologue qui s'appelle Boris Wastio et par moi-même.
Et Boris Wastio est actuellement le directeur du musée d'ethnographie de Genève. C'est-à-dire que cette exposition lui a apporté une certaine notoriété internationale. Pourquoi ? Parce que, alors qu'il était invité à montrer dans le cadre de Bruxelles 2000 les chefs-d'œuvre du musée Tervuren qui revenaient d'une tournée triomphale aux États-Unis et au Canada, il a décidé de questionner un petit peu la présence de ces objets dans les collections du musée. Et il s'est intéressé à ce qu'il appelait la vie sociale de ces objets. Et il a questionné la transformation de ces objets en objets de musée, en objets culturels, en objets d'art, hein, à la requalification de ces objets, qui pour la plupart, pour la majorité d'entre eux, sont arrivés en Belgique entre 1884 et jusqu'en 1908, ou de 1908 à 1960, donc l'indépendance du Congo. Et il s'est intéressé aussi aux acteurs, hein, donc aux personnes qui transportaient ces objets, et en éclairant comme ça le changement de statut de ces objets selon les dépositaires, les personnes qui les transportaient. Donc il y avait comme ça, grossièrement, une sorte de classification. Donc si c'est un missionnaire qui transporte l'objet, pour lui c'est un fétiche, hein, c'est un objet qui relève de la diablerie, enfin voilà, qu'il faut absolument extraire de la vie religieuse locale. Hein, et donc le musée est un espace auquel l'objet est destiné pour entrer déjà dans une classification préétablie. Il faut savoir qu'il avait toute une nomenclature, une méthode de colonisation qui donnait une méthode pour collecter les objets sur le terrain pour les administrateurs coloniaux, pour les missionnaires, pour les autres voyageurs. Et donc chaque objet venait atterrir dans une catégorie, dans un tiroir. Donc il y avait la religion, objet de pouvoir, etc. Donc toute la culture du musée, la culture scientifique du musée est basée sur cette science proche des sciences naturelles issue du 19e siècle, de la fin, de la seconde moitié du 19e siècle. Et donc Boris Wastio montrait le changement de ses statuts. Donc lorsque c'est un militaire qui vient avec un objet, c'est un butin de guerre. Bien souvent, on prenait les objets de culte qui appartenaient au roi, aux dignitaires, aux chefs qu'on avait assassinés. Il faut savoir que toutes les expéditions coloniales, celles de Stanley, celles de tous les gens qu'ils ont présentés comme des héros, sont des opérations criminelles. C'est-à-dire qu'on va pour soumettre des populations, et chaque fois que vous voyez dans les récits de Stanley l'expression disant « nous avons dû essuyer des tirs, nous avons dû essuyer des attaques de populations hostiles, etc. » Et donc, il dit le nombre de personnes qui perdent parmi ses accompagnateurs. Et c'est vraiment quelqu'un qui va semer la mort sur sa route. Hein. Et donc, les objets sont des butins qui renvoient aussi à une tradition, hein, qu'on va encore retrouver en Angleterre, notamment lors du sac du palais du Bénin, hein, où beaucoup d'objets ont été pris dans le palais du roi du Bénin et qui sont conservés au British Museum. Donc ça, c'est une grande tradition dans les techniques impérialistes du 19e siècle. Et donc, le missionnaire, c'est un fétiche, le militaire, c'est un butin de guerre, et le voyageur, le citoyen lambda, le commercial, c'est un souvenir. Mais une fois que l'objet arrive au musée, il est requalifié, hein, il rentre dans une espèce de nomenclature qui renvoie à une classification issue des muséums des sciences naturelles, puisqu'il y a cette espèce de souci de collecter la connaissance sur la colonie et de réunir les connaissances sur ces cultures qui sont en voie de disparition du fait de l'assimilation culturelle, du fait de la colonisation. Alors, si vous êtes chez les bouquinistes, achetez les bouquins coloniaux. Il faut les lire parce qu'ils sont beaucoup plus instructifs que ce que racontent les médias. Parce que les gens vous décrivent leurs activités au quotidien, leurs relations avec leurs boys, leurs relations avec les autres blancs, etc. Leurs relations, leur travail, leurs relations à la mère patrie, etc. Vous voyez, à travers leurs écrits, toute l'idéologie coloniale exprimée vraiment avec énormément de fierté. Et donc ça, c'est un peu pour vous montrer que toute cette question autour de la restitution, de la rénovation, du changement nécessaire du paradigme du musée d'ethnographie aujourd'hui, c'est quelque chose qui a été questionné aussi par certains scientifiques, un peu dissidents comme Boris Wastio.
Et donc pourquoi je parle de Exit Congo Museum? Parce que le projet du musée qui s'est ouvert récemment est une mauvaise copie de ce que Boris et moi-même avons défendu à ce moment-là. Donc il existe deux catalogues que je vous invite à vous procurer pour voir que nous avons été très mal copiés par le musée. Et voilà, c'était très important de rétablir un petit peu cette question. Alors, rapidement, parce qu'il est tard, je voudrais juste revenir sur cette actualité récente de la restitution par rapport au projet du président Macron, hein, qui a commandé un rapport à deux personnalités, deux intellectuels, l'un d'origine sénégalaise et une dame historienne d'art, Bénédicte Savoie. Et ce rapport a jeté un pavé dans la mare et a suscité énormément de réactions qui traduisent les sensibilités dans différents pays, hein, des pays qui ont un passé colonial, passé impérialiste, hein, comme la Grande-Bretagne, la France ou l'Allemagne, par exemple. Et alors, quand on recense un petit peu les commentaires, issus des milieux universitaires, issus des milieux des musées ou issus des milieux intellectuels, on a en France une volonté de discréditer d'abord les deux rapporteurs parce qu'on on les attaque sur le peu de scientificité de leur rapport, leur tendance à être dans l'émotion et à obéir à une sorte d'agenda dicté par les milieux activistes, les milieux, je dirais, comme ceux qui sont rassemblés ici. Et donc, on a essayé de discréditer ce rapport en disant qu'il était polarisant. Notamment, une distinction qui est faite par Stéphane Martin, qui est le directeur du musée du Quai Branly, qui dit qu'on ne peut pas présenter toutes les collections comme relevant d'un acte criminel, hein, qu'il y a des objets qui ont été collectés dans des normes tout à fait acceptables du point de vue de l'ICOM, donc le Conseil international des musées. Et il craint aussi que le rapport qui invite justement à la restitution des pièces aboutisse à vider les collections du musée du Quai Branly si on obéissait justement à ce retour immédiat des pièces. Alors, la sensibilité en France, c'est que la décision incombe au président Macron de restituer, par exemple, 26 objets dont on sait qu'ils ont été l'objet d'un pillage. Hein. On accepte de restituer immédiatement 26 objets parce que, historiquement, il est avéré que ces objets ont été l'objet d'un pillage. Mais c'est le fait du prince, quelque chose qui est impossible en Angleterre, où il y a une toute autre mentalité et il y a une prééminence, justement, des autorités muséales, contrairement à ce qui est le cas en France. Vous voyez, le musée du Louvre, le musée du Quai Branly sont des musées régaliens avec une structure assez archaïque, hein, qui dépend directement de l'exécutif. Et donc, cette question est très, très politique en France, mais elle a le mérite, quelque part, d'internationaliser le débat. Alors, je parlais justement de la France, voyons les réactions dans les autres pays. En Angleterre, il y a une sorte de regard un petit peu prudent. Et les Anglais sont d'accord avec les prêts à long terme, notamment. Parce qu'il est question, depuis les années 2000, d'une sorte de restitution virtuelle des travaux, en disant aux personnes qui réclament les biens culturels, en disant que toutes nos collections sont visibles via l'Internet, et donc pouvaient avoir un accès libre à la collection. Et on veut bien consentir à des prêts temporaires, mais il est hors de question de donner définitivement des objets qui sont inaliénables selon les lois en France. Et donc, dans le sillage justement de cet avis, en Grande-Bretagne, on se glisse justement dans cette idée de prêt à long terme. En revanche, en Allemagne, cette actualité des restitutions coïncide avec la réouverture, ou plutôt l'ouverture d'un grand musée qui est le Forum Humboldt, qui se veut un musée des cultures du monde et qui recycle toute une série de biens culturels qui étaient dans les musées d'ethnographie. Et il y a tout un débat sur la restitution et la reconnaissance justement des spoliations dont l'Allemagne était coupable dans ses anciennes colonies. Et donc, l'actualité du rapport commandé par Macron
aboutit aussi en Allemagne à un rejet d'un retour massif des objets. Donc il y a une sorte de status quo qui est, ma foi, très intéressant. Et lorsqu'on regarde ce que préconise l'ICOM, le Conseil international des musées, qui dépend de l'UNESCO, et les pratiques, par exemple, qui ont lieu déjà dans les musées depuis les années 60, où on considère qu'il faut arriver à une sorte de partenariat où il n'y a ni gagnant ni perdant, où il y a une relation win-win, où il y a une solution négociée, une solution au cas par cas, parce qu'il y a des sensibilités particulières, il y a des objets culturels qui n'ont pas toujours la même importance. Hein, il y a des objets qui relèvent de l'art funéraire, par exemple, il y a des objets qui relèvent du pouvoir, hein, il y a des objets qui ont une valeur historique très importante pour les communautés, et donc les restitutions vont aller aussi au-devant de toute une série de revendications qui portent, vous voyez, avec toutes ces nuances que je viens d'énumérer, qui permettent aussi de moduler et d'adapter la loi au cas par cas. Et donc, pour le moment, on en est un peu là. Mais je voudrais, parmi ces lignes de force, parler aussi d'un commentaire qu'on a beaucoup entendu, qui consistait à dire que les restitutions, pourquoi pas, hein, on peut en discuter, mais est-ce que les musées africains existent ? Est-ce que les musées africains sont prêts ? Est-ce qu'il y a des scientifiques capables de conserver les musées, les objets dans les musées comme ici ? Est-ce que les normes d'hygrométrie, les connaissances scientifiques sont suffisantes pour accueillir les collections dont on devrait se réjouir qu'elles aient été conservées jusque-là depuis une centaine d'années, hein, sans quoi ces objets seraient détruits par les termites, et détruits par le volet, etc. Et donc, on se pose la question de l'actualité, de l'existence réelle d'une compétence au niveau local pour accueillir ces pièces. Et moi, je voudrais apporter quelques réflexions par rapport au retour du point de vue des Africains, du point de vue justement de la RDC, par exemple, où à ce jour, il y a deux grands musées. Il y a le musée national du Congo qui se trouve à Kinshasa, qui est un musée qui est peu visité et qui est un musée qui est doté de très très peu de moyens. Mais il y a une nouvelle institution qui va être inaugurée dans les prochains mois, les prochaines années, dans un bâtiment construit avec l'aide de la Chine. Et il y a un ancien musée colonial qui est le musée de Lubumbashi, qui comprend une toute petite collection, qui a très très peu de moyens, qui est vouée à une rénovation. Mais il faut savoir que la RDC, c'est 80 millions d'habitants, c'est 2 345 000 km². C'est une organisation administrative dans laquelle vous avez 23 provinces, où on parle 450 langues différentes, où il y a de multiples communautés. Et la restitution des objets, vous voyez, fait apparaître aussi la question de où, dans quelle communauté, dans quel village, dans quelle ville, restituer ces objets. Et c'est quoi, en réalité, que l'identité nationale congolaise, hein, dans les années 70, il y a eu ce recours à l'authenticité qui est cette politique menée par le président Mobutu qui constituait à créer un sentiment national. Et les musées ont participé un petit peu à cette construction de l'identité congolaise. Mais sur le terrain, vous pouvez le voir d'ailleurs sur les réseaux sociaux congolais, hein, vous allez voir que cette identité congolaise en construction, elle est extrêmement complexe. La question de la restitution se heurte aussi à la question de la crise de l'identité culturelle qui nous traverse depuis, voyez, cet effet boomerang de la mondialisation. Et donc c'est un chantier énorme de réfléchir à quel type d'institution il nous faut en RDC pour accueillir ces objets, hein, et quel type d'objets peuvent être réclamés pour être rendus à quel type de communauté. Une communauté nationale à des ethnies qui sont des inventions coloniales aussi. Hein, faut savoir que toutes les chefferies, les communautés appelées tribus, notamment dans les musées, sont des inventions coloniales. Hein, que sur les terrains, la réalité est beaucoup plus complexe, que les appartenances sont multiples, extrêmement subtiles. Hein, et donc,
ces objets ne suffiront pas, quelque part, à reconstruire une identité perdue. Hein, et donc, c'est un véritable chantier, un débat beaucoup plus complexe que l'aspect juridique, simplement. Mais c'est un vaste chantier qui ne fait que s'ouvrir. Et je pense que le plus intéressant va vraiment se passer en Afrique même, quand ces objets seront de retour, parce que ce n'est qu'une question de temps, et la prochaine génération va le faire avec beaucoup moins de complexe que les générations précédentes. Et c'est mon espoir. J'espère que ces quelques mots vont ouvrir peut-être la discussion, un échange avec vous sur ces différentes lignes de force, ces enjeux autour de la restitution, autour de la repentance coloniale, autour de, vous voyez, tout ce débat qui nous anime, autour aussi des identités culturelles en crise, hein, qui sont des questions essentielles aujourd'hui. Je vous remercie. Je vous remercie pour la grande qualité et pour la brièveté de vos interventions. On va passer maintenant aux échanges avec la salle, questions-réponses et discussions. On va commencer, si vous voulez bien, par les gens qui ont des questions pour Sandou, parce qu'il doit nous quitter dans une vingtaine de minutes, il a un train à prendre pour rentrer. Donc on va commencer par lui, et puis on peut continuer avec les autres intervenants. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question, une intervention ? Free, and they demanded the money for that period after the abolition of slavery in the United States. This letter came forward, and you have in all parts the Pan-Africanism, you know, put reparations as an issue. So it was there already all the times, and so you should take up that tradition and not present reparation as a new thing, but as a thing which for justice, which was already there in all the history, which is from all the colonized people, not only... in fact, coming Sunday, I'm speaking in London on the Genocide Memorial Day that links it to Palestine. And one of the proposals I'll do there is, in 1944, the Jews came together in the United States to prepare after the war a list of reparations. I think the Palestinians should do that now. You know? Yeah. And the Palestinians said there will be a time when this will end. Mm-hmm. Let's try to draw up the rent you need to pay for the occupation of Palestine. Mm-hmm. The killings you have done in Gaza and all the other times. So I think the Palestinians should do that, and we should support them if they do it. Mm-hmm. So, I have a question. Because you make a work, you calculate how much kind of factor mm-hmm. of the what do the Belgian in mm-hmm. In Congo, but when you do this job, what was your motivation? Because you've never been in Congo, I think, and I want to know why you are so interesting on it. Yeah, because it's about justice. You don't have to be in the Congo to be for justice. No, let's give you my opinion. If you know it, for example, you're talking about Jewish. You know, Jewish are concerned because you know that they know genocide. You know that they're really concerned about this. You know, or Congolese people. You know, also because they're the child of the genocide. And then that's motivation for this. Yeah. Then when you do the job, why you choose this job? For justice. Justice is not something on your individual experience. Justice is an ethical value that you have. You know? So if I'm not a Palestinian, but the reason I support the Palestinian struggle is not because I've been in Palestine. I've been there, by the way. I've seen it. But it's not that. That's why. I've not been in Congo. I've not been in a lot of other places. I've not been in Vietnam. I did. But, you know, you don't have to visit a place to be for justice. Yeah. Yeah. Justice is an ethical value that you cherish and you promote. So whenever one person in the world is treated unjust, it is that person that you should be in solidarity with. True. I just wanted to say that
You talk about the we should how do you in French? On devrait réparer juridiquement et avec des millions d'argent. Mm-hmm. Mais il y a aussi la réparation mentale, la réparation sure. morale. Yeah. On a pris les identités de ces yes. gens. Donc comment on peut réparer ça yeah. Et autre chose, la Belgique yeah. ne parle jamais, jamais du Congo. Yeah. C'est comme si le Congo n'existe pas yeah. ici, dans ce pays, on ne parle jamais du Congo. Yeah. Donc c'est très compliqué yeah. d'aborder déjà mm-hmm. cet aspect des choses. Well, let me, I understand it's not French. Let me deal with the question of mental reparations, right? This is linked to the question of the colonizing of the mind. So reparation is emancipate yourself from mental slavery, a phrase that was coined by Marcus Garvey and then put into the song by Bob Marley. That phrase, emancipate yourself from mental slavery, is acknowledging that the mind has been colonized. Now, the mind has been colonized in a dramatic way. It's not just on the slavery. It is in knowledge production, in the production of knowledge. And that is why the decolonial movement of which we are part goes into the foundation of Western identity, which is the Western Enlightenment. Right? So it's a critique of Western Enlightenment that created the knowledge of science that produce nonsense and present it as common sense. Let me take one example from economics, right? Everybody who has studied in university or in secondary education have learned that profit maximization is a great thing in economics, right? And they call it as a objective thing. In Islamic economics, they call it greed. You know, there's another way to look at profit, which is, but if you put an economic system based on greed, or you put an economic system based on ethical values, it's different economics. And if you take sociology, if you take epistemology, you know, all these things that have been developed in the West to colonize knowledge production, if you read Hegel and Kant and all these racist philosophers who are treated as great philosophers of the Enlightenment, that is where the drastic transformation of knowledge should be taking place. So the money is just the flag we use to take on all the other aspects of decolonizing the mind. All power to the people. All power to the people.